Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Mais à mon avis, on n'y est pas encore. À mon avis, on n'y est pas encore. Alors, ça serait pas mal ici un endroit pour redescendre, non? Vous en pensez quoi? Bon, ça c'est plein, franchement, un entrepôt à 1000 qui est plein. Franchement, je compte rien y faire. Hein. Pareil avec cet entrepôt-là, hein, s'il est plein, il est plein, hein, les gars. 1800 de nourriture à là, quoi. Je crois que sincèrement, c'est beau. C'est vraiment beau. On a des patates, on n'en peut plus. Donc lui, il manquera jamais d'activité. Maintenant. Il a des rondins, tout ça, tout ça. Ouais, franchement, on est pas mal là. On est vraiment bien là. Prochain truc qu'on va essayer de faire maintenant, c'est le moulin à blé. La boulangerie. Et tout ça là. On va également essayer de faire la papeterie. Papeterie qui permet de faire... donc on a dit... L'usine d'explosifs. Transforme le papier en dynamite. Et on pourrait également mettre des décorations si on voulait. Épouvantail, mettons, il faut du papier. La girouette, lol, c'est marrant ça. Et j'aimerais bien débloquer le monument ouvrier. Et ça, vous imaginez, 300 ferrailles, 200 écrous, 12 000 points de recherche. Lol. Juste lol, quoi. Bon, ça va, en rondant, on est bien remonté. Mais il nous manque encore des écrous, hein, je pense. Je pense que je vais refaire des industries. Hein. Les gars, je pense sincèrement que je vais refaire des industries. Hein. Je vais vraiment refaire des industries. Là. Il y a des chances. Hein. Franchement, il y a des chances que je refasse des industries. Là. Mais! Et j'ai le chat qui fait des bêtises à côté. Ben franchement, on est bien. Hein. Vous voyez, le pain, c'est le prochain truc. Après, c'est des marrons glacés. Le feu de camp, il m'en faudrait faire un ou deux, je pense. Également. Ça permettrait de gagner un point facilement, je pense. Mais c'est grand, un feu de camp. L'autre camp, je pense que je vais en faire un là. Pour le moment. Et on verra par la suite. Ici, là, j'avais prévu de faire quoi déjà? Il me semble que j'avais prévu de faire une dernière habitation. Et avec ici un escalier. Et ici, là, j'avais prévu de recouvrir l'esprit de ça.
Voilà. Allez, on va continuer à monter comme ça. C'est marrant. On a tellement de personnes sans emploi. On a tellement d'ouvriers disponibles. C'est cool. C'est vraiment cool. Plus on a de chômeurs, plus je suis content, moi. Je vous le dis franchement. Hein. Bonne nuit, Ange. Merci de ta présence. Ciao, ciao, ciao. Bah, vous savez quoi, les amis? Je pense qu'on va s'arrêter là, nous aussi. Franchement, elle est bien, notre petite ville, là, je trouve. On va continuer à faire deux autres industries ici, je pense, avec ça, là. Pour essayer d'améliorer notre production d'écrou, clairement. Enfin, notre production d'engrenage. Je sais pas si je vais conserver les éoliennes. Ça, ça prend du papier aussi, tu me diras. Ça, faut que je le bloque dans tous les cas. Je vais en avoir besoin n'importe quand. La science est également l'observatoire qu'on pourrait faire. Qui devrait rapporter beaucoup plus de science. Mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Et en termes de loisirs, il y a le sanctuaire aussi hein, qu'on pourrait débloquer. Avec le temple. Le temple, ça me plairait bien de le faire. Et après, il y a les digues et les écluses. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça, apparemment, ça bloque complètement l'eau. Ce qui peut être pas mal. Notamment si je souhaitais peut-être inonder davantage cette partie-là. Vous voyez, mettons, si je souhaitais inonder davantage cette zone-là, en fait, il faudrait que je fasse une digue ici. Et en fait, ça s'inonderait limite tout seul, quoi, au deuxième niveau. Et donc, ça pourrait être vraiment pas mal, hein. Par exemple. C'est un exemple, bien sûr. Et c'est tout à fait jouable. J'adore ces plein de tournesols paumés ici. Qu'est-ce qui se passe encore dehors? Encore des gens qui vont gueuler dans la rue à minuit 40. C'est incroyable, les gens, ils ont vraiment que ça à faire. Je pense au-dessus, là, on va mettre notre deuxième industrie d'engrenage. Qu'on va relier à toutes les éoliennes, etc., etc. Parce que je peux le faire ici. J'ai la place. Et donc, arrêter ce quartier d'habitation qui, à mon avis, sera suffisamment grand. Non, on peut pas coller aux éoliennes, sinon les éoliennes ne peuvent pas tourner, donc voilà. Il faut toujours une distance avec une éolienne. Ce qui est marrant. Ou bien ici, je m'en sers pour relier d'autres éoliennes. Vu qu'il y a un accès. Hein. D'ailleurs, ici, je pourrais également leur faire un deuxième toit terrasse. Sans aucun problème, je pense. Et ici, plutôt réservé à des loisirs. Peut-être mettre un temple, si on peut, ou un truc comme ça ici. Je sais pas si ça passe, le temple. L'éponge, j'ai pas compris comment elle fonctionnait. Hein. Soit dit entre nous, l'éponge, j'ai pas compris comment elle fonctionnait du tout. Mais ouais, du coup, je pense qu'on va... Alors, peut-être pas comme ça, mais ouais. On va faire d'autres ateliers, là. On a vraiment trop besoin d'engrenages. Ça va, on peut faire des éoliennes sur le toit.
Par contre, ça va me couper toute la circulation si je fais ça comme ça. Mais bon, c'est pas grave, je casserai. Quoi qu'attends, pause. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, moi? Et de sacrifier toute cette zone-là? Ouais, je trouve bien un truc à faire dedans, non? Ouais, non. Donc là, je les clique un par un parce que si jamais je fais un misclic, je détruis toutes les maisons en dessous. Ah, j'ai pas forcément. J'ai envie de garder ces endroits pour des habitations encore. Franchement. Franchement, j'ai envie de garder cet endroit pour des habitations. Donc je pense que je vais continuer à faire de l'éolienne par là-bas. Genre comme ça. Et logiquement, ils ont accès à toutes les zones de construction, donc on est bon. Voilà. Au moins, je me dis qu'avec les éoliennes, ça produira toujours un petit, toujours, enfin, ça peut produire de l'énergie, quoi. Et vu comment j'ai besoin des engrenages, c'est la folie. Des engrenages, c'est vraiment la folie. Bref. Eh bien, écoutez, mes amis, regardez ce petit village. Regardez-moi ce petit village un petit peu. Observez. Observez-moi ce petit village un petit peu. S'il n'est pas tout mignon. Il est tout mignon, ce petit village. Il est tout mignon. Bref, merci à tous d'avoir regardé jusqu'à présent. Il est quand même minuit 47, il faut absolument que j'aille me coucher parce que demain je vais encore être éclaté au sol. Petite sauvegarde. Voilà. Merci à tous, portez-vous bien et moi je vous dis à vendredi pour la suite de nos aventures. Ciao ciao les gens.